préfère ne pas me prononcer en ce moment parce que là, je suis sous l'effet des premières impressions. Tu vois, et c'est l'enthousiasme qui me fait penser toutes sortes de choses et peut-être faire une connerie qui passe par ma tête et après, que je vais regretter de l'avoir prononcé devant la caméra. Tu vois, le dodécaoctone, en général, on coupe l'église, on a 8 scènes, on a la moitié avec... Ça dépend vraiment. Et après, tu as l'ascension là, au-dessus de l'autel, et tu as la crucifixion de l'autre côté. Donc, normalement, dans une église byzantine, là, tu dois avoir la crucifixion. Ce qui est extrêmement étrange, c'est que là, tu as une partie du programme iconographique de l'autel. Quand tu vas entrer dans le sanctuaire, tu vas avoir le Christ et la Vierge. Sauf que la Vierge, elle doit être là, et le Christ là. Donc, ils sont en quelque sorte inversés, comme si tu portais la chemise à l'envers. Il y a un syncrétisme, pour faire plus simple, un syncrétisme entre l'art byzantin et l'art occidental. L'art occidental, il est perméable, il n'y a pas des règles extrêmement strictes, et il est libre. Il y a une certaine souplesse, mais également une certaine règle qu'il a. Il a des habitudes qu'il s'est formées. Il va mettre certaines scènes les unes à côté des autres. Par exemple, comme le cycle de le chemin de la croix. Alors que l'art byzantin, il est vraiment figé, il est très strict, et c'est comme une poésie codifiée. Et il est focalisé sur ce qu'on appelle le dodecaorton, les 12 fêtes de l'Église. Et là, on voit que les 12 fêtes de l'Église byzantine et les scènes du chemin de la croix sont mélangées. C'est-à-dire que dans certains points de vue, quand ils sont dans l'Église, c'est comme ils ont franchi l'iconostase. Ils sont passés l'iconostase et les représentations sont dans la bonne position de derrière. Et ça, d'habitude, tu vois ça sur les entrées latérales, les théories des saints. Jamais dans une telle position. Là, ce que tu peux avoir, si c'est l'iconostase, ça peut être une inscription de Ktetor, ou autre chose, peu importe. Tu peux avoir le mandilion. D'ailleurs, il disait qu'il y avait un mandilion quelque part dans le livre. Et je me demande, il est où, parce que je n'ai pas vu le mandilion. Tu fais le mandilion, c'est la représentation du Christ de Dest. Normalement, ça doit être la naissance de Marie. C'est parce que Jésus, on va le laver. Oui, dans le lavement de Marie. Oui, et pour Jean-Baptiste, même chose. Donc ça doit être... Donc naissance de Marie, et à côté. À côté, je ne peux pas encore dire, je n'ai aucune idée, je ne sais pas ce que c'est. La logique étant que là on a latin, là on a grec. Il y a deux moitiés de l'église, ça c'est complètement... La peinture murale, et puis à l'intérieur des scènes qui sont représentées, on a un peu d'écriture. Mais effectivement, c'est pas l'écriture qui prend toute la place. Elle s'intègre, c'est des légendes de scènes, c'est des noms de personnages, elle s'intègre dans l'image. C'est vraiment étonnant, je disais à Savas, je sais pas si j'ai dit à toi Estelle, c'est que je vois dans les entrados des énormes espaces vides jamais utilisés, alors qu'on devait avoir des sangs. D'habitude, dans les entrados, tu vas avoir toujours beaucoup de sang, une agglomération. Une interruption. Oui, vous avez vu l'église? Alors, celle-ci est fermée, on en a une autre à 10 minutes en voiture. Est-ce qu'on est là ou est-ce qu'on y va? Tu veux qu'on essaye de voir dedans ce qui se passe? Là, je pense qu'il y avait un hic fuit aussi, là, comme une personne qui est passée par ici. Là, on en voit encore, et puis là, il y a du grec. Là, il y a des caractères latins encore.
Is there another church here? There is an old church. Yes, old church. But it's about 6 miles from here. Do you know if we need a key to enter the other church? Unfortunately, the priest, he is not here in church. Okay. That he have it. Evcaristo. Thank you very much. Come from Russia? No, France. France? Yes. Vive la France! Bye. Evcaristo.